Pourtant, comme nous te connaissons, depuis hier nous sommes là, pour nous regarder pour nous voir qui est ce monde qui est capable de libérer dans souci qui a gagné pour combattre la détention préventive prolongée. Et ce n'est pas une décision qui nous prend pour compte, non. En tant que commissaire du gouvernement, nous sommes nos commissaires du gouvernement. Mais la justice là, c'est une instruction. Pour venir garder, il y a certains des gens qui là pour voler des téléphones, pour voir de faire, pour des bagages jouets. Ils ont plus que 3 ans, 4 ans, 5 ans, 7 ans en prison. Ils ont parlé, ils ont passé nos consignes, nous exécuter. Non seulement nous exécuter avec la loi en main. J'en ai sorti déjà en dedans, combattre les détentions préventives prolongées, pas camper. Demain matin, on a plat pour nous faire le même travail. Donc, nous avons 48 personnes déjà libérées. 48 qui sont déjà libérées. Merci. D'entre eux, c'est pas grâce. Deuxième bagage, c'est que le commissaire gouvernement a installé, il était dit qu'on s'agit de la combattre les détentions préventives prolongées. Et puis, pour que c'était ouvert, deux bras libres pour les accompagner. Et dans le cas d'accompagnement, c'est que dans le premier moment, OPC était là dans toute visite qu'il a fait dans le commissariat, il y a plus de monde qui était libéré. Je dis à la tout, pendant que lui en la pénitentiaire nationale, OPC là toujours pour accompagner pour question de détention préventive. Et dans le cas de ça, nous avons proposé un ensemble de listes. Et dans la liste, nous avons environ 57 personnes. Et dans 57 personnes, il y a plusieurs personnes qui sont libérées. Mais nous-mêmes, nous ne pouvons pas passer, commissaire Lord, c'est une recommandation. Parce que nous-mêmes, nous préoccupons par la détention préventive prolongée, tout comme que le CG lui-même lui était préoccupé et lui était fait comme cheval de bataille. C'est dans le cadre de ça que nous-mêmes nous là, et que OPC, là lui-même, l'a accompagné. Et OPC, avec directive, monsieur René Edouville, docteur René Edouville, il est là pour l'accompagner, tout ça qui est de positif. Et dans le cadre de ça, il était pas nous. Toute instruction que pour nous-mêmes nous travaillons avec et parquet pour nous être capables, ouais, dans la mesure du possible, que ou des mondes qui viennent des mineurs. Je dis à ces des vols de saumon, des vols de téléphone, qui viennent 3, 4, 5 ans qui sont en prison. Ces mondes qui ont libéré. Et ces mondes qui ont libéré depuis hier, je dis à la, hier c'est 3, je dis à ces environ 45, et demain, à bien on l'autre liste. Environ 100 mondes capables de libérer. Et les gens qui ont libéré, ce n'est pas des gens qui ont de très grandes infractions. C'est des gens qui ont des infractions mineures. Et si vous avez jugé, vous avez libéré déjà. C'est-à-dire que la préoccupation que le docteur René Bouvet là, lui-même, il commençait à anticiper. C'est-à-dire que nous-mêmes, nous n'avons pas réalisé. Mais ça, ce n'est pas là que nous voulons vivre. Parce que il y a des gens qui sont en prison, tout que pour nous libérer. Tout le monde qui est en prison, il faut au moins que soit capable de connaître que. Qui le que vous même vous prenez, que vous condamnez à 10, 15 ans, à 3 ans, au moins faut vous connaître. Et là, nous avons un CGA que nous voyons un peu respect pour lui, que lui-même travaille, et que le travail là, nous allons dans le bon sens du terme, que pour nous encourager lui, que pour lui travailler pour l'autre bail. Mais il y a des gens qui ont 10 ans, qui ont de l'autre infraction, des gens qui ont dossier perdu, que nous prétendons que pour qui le que vous faites, il y a une commission qui est capable de reconstituer tout dossier, que pour tout le monde soit capable. Fixer sous son paillot. Si vous méritez libérer, libérer. Si vous méritez que vous pugez peignot, que vous pugez peignot. Mais toujours est-il que dans le respect des droits humains, que pour moi, au moins, les gens ont garantie. Et garantie à quelqu'un que les passés par le procès. C'est ça que OPC lui-même les connaît. C'est ça que nous-mêmes, en OPC, que nous-mêmes. Alors, c'est une dernière ou bien la continue? Non, la continue parce que demain matin, nous avons encore, après que nous allons visiter et dans. Et tout notre commissariat, nous allons passer dans la semi-école, nous allons passer dans la prison FIO, nous allons passer tout côté que nous connaissons, nous allons passer. Alors, dans le monde qui est libéré, est-ce que vous avez qui te joué une chance déjà pendant le moment où vous êtes dans la prison pour te passer devant le juge? C'est le monde qui ne peut pas passer devant le juge, c'est le monde qui supporte le paquet. Parce que vous ne pouvez pas libérer le monde que le monde a lui-même supporté le juge d'instruction. Pour libérer le paquet lui-même, il y a une attribution, il y a tout le bail de la bagaille, mais le principe de séparation de fonction, c'est que le parquet n'est pas capable d'interférer en dedans un dossier que le juge de son gain. C'est-à-dire que le parquet a agi dans des dossiers qui
des délits mineurs que si nous avons condamné, qui en attente de jugement, que Mounsayo n'a pas de chance de passer devant le juge naturel et lui-même, il est libéré. Et c'est des gens que nous-mêmes, nous sommes capables, si nous sommes là, nous avons constaté, c'est des gens qui ont au moins 3-4 ans en prison pendant que c'est un vol de téléphone, vol de saumon. Elle dit que Mounsayo est déjà libéré. C'est Mounsayo qui est libéré. Ok? Alors, on va pour le commissaire dans Dimasha. Pour le commissaire là, continuez comme ça. Et puis, le commissaire avec lui, le docteur René de Ville avec lui. Non, pas. Non, pas. D'accord, c'est très bien. Alors, avant nous aller. C'est le journaliste, par contre. Non, d'accord,